Enfin, quelqu'un qui me prend au sérieux, au lieu de me dire que je suis un poisson ou qu'il n'a pas le temps parce que le tentacule. Allez, on y va. Ouais, cela dit, mieux vaut s'agripper à quelque chose. C'était beau ici autrefois, avant que les trolls ne débarquent pour trouver du pétrole. Ils donnent tout à Chaos pour ces machines démentes. En plus, ils réduisent mon peuple en esclavage. Mais maintenant tu es là, occupe-toi de ça, Skylander. Libère les miens et donne une leçon aux trolls. Et vite, ils ont faim. Je sens déjà l'odeur de la sauce tartare. Sauve mon peuple avant qu'il ne finisse en bouillabaisse. Tu as réussi! Je ne l'aurais pas cru si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Je suis désolé, mais on a encore besoin de ton aide. C'est cette usine. Elle pollue nos eaux. Elle détruit toute vie marine. Aide-nous à la détruire. Tu vois, si tu pouvais mettre la main sur une bombe de troll... Tu pourrais la jeter dans ce grand crash fumé. Je pense que ça ferait l'affaire. Boum! Fini les trolls. Notre foyer serait en sécurité et je n'aurais sans doute plus de raison de me plaindre. Encore que... Attention! Certains mages voyous peuvent créer de dangereux lasers de pistage. C'était super! Surtout pour un rampant. Tu nous as sauvés. Merci. Je continue de regarder. À travers la longue vue, mais elle est un peu rouillée. Elle bloque passé un certain point. Tu permets le surgelé. J'essaie de me concentrer, là. Voilà. J'ai réussi. Ta-da! Au nom de mon peuple, je vous remets ce beau dégraisseur. Le nom vient pas de moi. Il vous donnera toute l'huile dont vous aurez besoin. Très impressionnant, monsieur Duryulfin. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Parfait. On devrait pouvoir l'utiliser avec la longue vue. Prends un bidon de ce truc et rejoins-moi là-haut. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Les voilà! Laisse-moi une seconde.
On a besoin de la source de l'eau éternelle pour le cœur de lumière. Mais d'après mes plans, l'eau ne nous sert à rien si nous ne trouvons pas un truc qui s'appelle les becs jumeaux d'océan majeur mineur. Que j'ai trouvé ici. Par l'anchois de Sophie. C'est la Besson. C'est un endroit pas sympa et plein de pirates. Je parie que les becs jumeaux ont de quoi attirer la cupidité d'un pirate. Sans parler des pivoleuses. Je vais aller préparer le navire. Je vais y aller. Bon, j'y vais. Je regrette de le dire, mais tu devrais aller avec Gurgelfin. Je vais chercher des indices sur la source de l'eau éternelle. Tu peux partir dès que tu es prêt. Bon, j'espère que tout est OK. On n'est jamais sûr de rien. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Super, génial. J'adore les longs voyages sur l'eau. On met les voiles tout de suite. J'espère que je vais pas avoir le mal de mer. Trop tard.